Hello, donc aujourd'hui je vais m'expliquer sur le choix d'avoir éliminé Cassandra durant le jeu du gladiateur. Donc comme vous savez, on est 50 et on peut pas montrer toute une journée en uniquement une heure de programme. Donc il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément vues. Donc tout d'abord, en arrivant dans l'aventure, Kevin, Simon, Alex et Nicolas, on décide de faire une sorte de sous-alliance avec les tentatrices où on se promet de s'entraider le plus longtemps dans l'aventure. En revanche, ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est que Cassandra s'était déjà énervée plusieurs fois, à plusieurs reprises concernant Simon. Ce que j'ai pu comprendre en sachant que dans leurs histoires précédentes, ils ont eu des manques de confiance, tout ça. Et donc en fait, j'ai voulu la rassurer plusieurs fois. C'est pour ça que je réagis pas du tout dans la vidéo et que je préfère ne même pas donner d'arguments, ne même pas réagir parce qu'il n'y a eu aucun jeu de séduction entre moi et Simon, que ce soit de son côté ou du mien. Donc malgré le fait que j'ai voulu la rassurer à plusieurs reprises en sachant qu'elle n'était absolument pas en couple avec Simon à ce moment-là de l'aventure, elle disait ne pas vouloir être avec lui. J'ai eu des échos comme quoi elle voulait nous faire sauter à tout prix, contre les premières personnes qu'elle voudrait faire éliminer. C'est pour ça que dans la vidéo, du coup, on ne voit que j'ai décidé de même plus réagir et de ne même plus la rassurer. Parce que je trouve ça injuste en fait que on soit les têtes à abattre juste parce que forcément on est tentatrice ou qu'on soit les nouvelles ou qu'on n'ait pas forcément fait beaucoup de télé. Donc forcément on est dans un jeu où le but c'est de gagner. Donc si toi tu décides de vouloir m'éliminer, t'es forcément la personne que je veux éliminer en première. Donc je décide d'éliminer Cassandra. C'est en aucun cas un choix de jalousie. C'est plus une question de rendre l'appareil à Simon mais sans l'éliminer à lui-même parce que j'ai voulu rester loyale à mes choix. Ça reste aussi une personne avec qui j'ai le moins d'affinité, Cassandra, dans l'aventure. J'ai préféré faire un choix fidèle à mes envies et à mes choix en m'écoutant à moi-même plutôt que faire un choix lâche comme Amine a pu faire en éliminant Mounia, juste par manque de courage pour éviter de se mettre des grosses têtes à dos. Donc voilà, je pense que mon choix était justifié. Ensuite, pour Loane, après coup, j'ai pris conscience que elle avait fait un choix, oui, stratège, mais en même temps que moi, mon sort était déjà fait et que dans tous les cas, je devais partir. Donc au final, en revenant dans l'aventure, je suis assez contente qu'elle ait pu sauver Colette, en sachant que Colette est aussi dans mon alliance et que ça reste une très bonne copine à moi. Donc en aucun cas, j'en veux à Loane et en tout cas, j'espère que maintenant, vous comprenez plus mon choix et ma décision d'avoir éliminé Cassandra.